Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 2. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je ne peux rien faire à Tour du Blade, on est d'accord. Je ne peux pas rentrer, je ne peux rien y faire. Je sais pas où j'utilise mes tickets. Mes tickets trucs. Ça nous fait quoi? Tu nous fais quoi toi? Se renseigner auprès de Stella sur Maurice Chausson. Bah dis-moi tout, j'étais surpris de la manière dont le directeur général Chausson a accueilli maintenant. Non, on a déjà parlé, pardon. Il y a un truc là. Qu'est-ce que donc? Action de terrain, mécanique, niveau 4. Exploration. Ok, même là on gagne des trucs, mais ça ne nous sert pas pour le coup, malheureusement. Hop. Ticket de terrain. Alors, ticket de récompense. Je pense que sur le... Ça devrait nous dire à quoi ça sert, ça. Très bien, très bien. Alors, le terminal de la caserne. Caserne du Blade. Ben voilà. Arrêtons de faire les cons. Ah mais là, je peux pas rentrer. Porte Est, non. Je peux pas y rentrer tout de suite. Hop, ouvrez, ouvrons. Entrez dans la caserne. Et ben voilà, c'est dans la caserne. N'importe quoi, moi. Donc on va dépenser nos tickets. Alors par contre, qu'est-ce qu'il me faut exactement? Alors ça, je ne sais pas. Terminal, il est là. Personnalisation de la caserne, on garde la caserne. Ok, bon, personnalisation de la caverne. Éclairage. Bah du coup, c'est pas là. Non, ça, c'est la personnalisation. Salle commune. Primaire, ouais, on s'en fout de ça. Éclairage, peut-être changer les éclairages. Alors, on va les mettre jaunes. Allez, ça me va. Par contre, c'est pas ça qu'il me faut. Ah, c'est là-bas, c'est ça le terminal de la caserne. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que tu me l'as dit dans les commentaires en fait. J'ai juste mon cerveau passoire quoi. Console réseau, utiliser des tickets de récompense. Ben voilà. ADN Telesia. Pardon? Il y a les Telesia ici. Ok. Eh ben ça c'est, voyez. C'est important. Par contre, je ne sais pas du coup primordial. On va le prendre. Hein. Juste parce que c'est Telesia. Voilà. Hop, j'en prends deux. Je sais pas à quoi ça sert. Mais on les prend. Élu commun, unique. Je peux plus en prendre. Eh ben écoutez. On va garder ça, ça me paraît bien. Ok, on va pouvoir se barrer de là du coup. J'ai dépensé mes quelques tickets. J'ai combien de. J'ai 8400. On peut garder encore un peu. Quoique, non, je vais les dépenser. Je vais dépenser à la vallée machin là. À l'allée bidule. À la vallée des larmes, comme j'aime l'appeler. Hop. Pa pa pa. Pa pa pa. Chargement. Pourquoi le M est plus petit? C'est vrai ça? Pourquoi le M est plus petit? C'est chelou. C'est chelou. Comme ça, je veux bien avoir le nombre de missions des UA. 30 000, ouais, non, mais 30 000, c'est beaucoup trop, par contre. 12 000. Toi, tu demandes 6 500. Bah, je te donne... Je vais t'en donner... J'en donne 3 000, là, ça suffit. Tu passes niveau 3. C'est équipement lourd. New products. Se concentre sur la défense et empêche de se faire mettre KO d'un seul coup. Équipement est fait pour vous. Bien ma distance. Pas mal. Équipement scale. Haha. Je n'ai pas d'équipement scale. On s'en fout. Ok. Et là, on est à 9000. Vous savez quoi? On va tout mettre. On va tout mettre. Hop. On met tout. Comme ça, je saurai. Là, en un épisode, combien je gagne à peu près. Donc, grosso merdo, en une demi-heure. Ok. Est-ce qu'on va voir les... De toute façon, j'ai plus d'argent. Je vais aller voir juste ce qu'elles font. Les nouvelles qu'on a débloquées, là. Les nouvelles armures. Ok, c'est ça non? Ah non, c'est un peu plus bas.
C'est ce genre de truc. Mais on n'a pas, on peut pas, parce qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. My bad. Parce que pourtant ils ont la classe quoi. C'est un peu plus le. Après on retrouve les mêmes designs je crois. Hein. J'ai l'impression. Ça change les couleurs, les mêmes modèles, ouais. Ouais c'est ça, on retrouve les mêmes. Ok bon. De toute façon j'ai pas les niveaux. J'ai pas le niveau là. On va explorer du coup Oblivia, ce pourquoi nous étions partis faire. Ça a l'air grand, c'est très grand quand même Oblivia. Je peux pas. Si j'étais allé là-bas, j'ai pu monter, j'ai pu aller là. La prochaine, on peut aller là, tiens. Hop. FN306. Hop. Changez-moi la musique. Vite, c'est une question de vie ou de mort. Merci. Ok. Là, on a des monstres qu'on pourrait se faire une joie de tuer. Lynn, elle a 4000 PV. Hein. Ouais, je sais que c'est notre tank, mais quand même. C'est dommage. Ok, donc ça, ça va. Paf. Ok. Oh, boum. Allez, on va faire ça. Allez, on va keeper le rhythm moving. Ouais, après, tu vas prendre ça. Hop. Ta ta ta. Allez-y. Ok. Ok, ça me va ça. Ça me va très très bien. Alors, on va tout prendre. Pin, 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 pin. Il passe niveau 14. Mais bientôt. On est bientôt 20. Enfin, on est bientôt rang 10. On va bientôt pouvoir changer de statut. À distance. Équipement mode. C'est quoi ça? Ah, ça doit être le scale. Compétences. Les coups sont permis. Plus 100% des dégâts. Ah bah oui, c'est ça, d'accord. Ça c'est écrit d'hier. On peut changer. Bon. Je peux. Non, je sais pas ce que je fais en fait là. Ah, compétence. Classe. Ouais, non, bah, on s'en fout. Allez hop. Palam, pam, c'est pas par là. C'est par là-bas. Est-ce que je peux monter là? On peut aller. On peut partir par là. Pam, 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 pam. On l'a déjà tué. Allez, il y a un machin jaune. Ça a l'air de la mécanique ça. Très très bien. C'est très très bien pour nous ça. Et merde. Hop. Alors par contre ils ont pas l'air de vouloir me. Ils ont pas l'air de me faire du poison ou quoi que ce soit. Ah si, ils ont l'air de faire. Ok, y'a ça qui me fait. J'ai pas vu le crédit hier. Let's go. Hop. Ça me va. Okay. On a peut-être un peu trop de soins. Enlève le handicap, régénère les PV. En termes d'art, j'en ai peut-être un peu trop. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais aller lire mes arts. Mais je ne l'ai pas fait. Bah, le gros machin là me fait peur là. Mécanique niveau 1, ok. Ouais. Ouais, j'ai rien gagné. Parce que c'est pas un trésor, c'est action de terrain ça. Ok. Équipe,
si c'est ça. Bon, ah. Je peux aller voir les arts. Est-ce que je peux changer, est-ce que j'ai des arts que je peux changer? J'ai dû en débloquer, non? Ah, j'ai pas débloqué d'autres arts, ok. Est-ce que j'ai pas besoin de beaucoup plus en fait? Gagne un évanouissement, ouais. Ok, ok. Là, je ne peux pas y aller. Parce qu'ils me font un pont. Et là, je suppose que je meurs en me suicidant. Hein. Ah bah, il y a un pont, là. Je dois pouvoir traverser par l'intérieur, là-bas, non? Pin, 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 pin. Ok. On devrait pouvoir passer là. C'est là d'où on était allé la dernière fois. Hein. On est déjà allé ici. Là, il y avait plein de monstres bien relous. Hop. Maintenant qu'on est niveau un petit peu supérieur, on devrait pouvoir les battre. Alors, on va faire un cœur concentré. Et on va maintenir l'attention. Et on va juste espérer qu'on n'ait pas le gros relou qui vient nous faire chier. Hop. Ça, ça dégage. Presque. Melee attaque, on y va. Et cette tempête d'un coup là. J'aime pas la tempête qui s'installe. Hop, c'est le moment pour poser une aura, ouais. Et lui prend cher. I'm really feeling it. Hop, ça c'est parfait. Bon, il va crever. J'espère juste que le. On n'est pas attaqué le 91 là. J'ai un peu peur d'avoir attaqué. Mais ne l'attaque pas, il est niveau 91. Bon, ça va. Ça va, je ne l'ai pas attaqué. Merci. Hop, on va mettre ça sur elle. Mais te casse pas la gueule, Elmar. Ah bah non, t'es au cœur venu. Aïe. Il nous a fait un kamikaze là. Il nous a fait un kamikaze. C'est l'éclat total, littéralement. Mais carrément là. Il nous a explosé la gueule. Pin, 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 pin. Je dois pouvoir passer. Par là. Hop, si je reprends le chemin par lequel j'étais passé. Par contre. Là non. Comment je passe? Comment je remonte? Vous pensez que je peux passer là? Comment je fais pour remonter là? La merde alors. Les merdes. Tout ce que je voulais éviter. Je voulais absolument éviter ça. Ah oui d'accord, il est vraiment. Il est vraiment décédé le gars. Il est clairement dead, le gars. Aïe. Comment ça, t'as besoin de soin? Ça va pas du tout. Total d'équipe. Ah, il a le métamode aussi.
Ah, quand j'utilise le métamode, ça l'utilise aussi chez les alliés. Très bien. Ça fait mal de dégâts là. Oui, d'accord. Là, j'ai utilisé mes PT. Tintin. Hop. Comment ça, t'as besoin de soin? Pas du tout. Pistolet laser. Oula. J'espère que c'est juste visuel. Hein. Bon, on lui a pété son truc. Pas mal. Hop, ça c'est cool. On va mettre ça sur Alma. Et ben voilà. On l'a pété. La dernière fois, il nous avait bien niqué lui. Compétence obtenue. Et ben ça y est, on est rendu. 92 sur 92. Est-ce que je peux changer de classe? Et ça y est, je peux passer ici. Alors, quel est le mieux? Canon laser couteau, c'est ce que j'ai. Et là, je fais arme psychique, sabre photon. Progression alternative. Depuis exécuteur avec de nouvelles armes et un bon équilibre entre attaque et défense, donne de bonus aux attaques au corps à corps et à distance. Progression normale depuis exécuteur affaiblit l'ennemi par des handicaps et donne des bonus aux attaques à distance et au potentiel dur à maîtriser convient aux professionnels. Ah. Par exemple, on a chute, lame chute étoile, inflige des dégâts d'armes, on a inflige des dégâts d'armes plus entière distance, boost à distance laser. Alors quoi, dans la cible, zone endormie. Anti-résistance, handicap, accord de barrière. Bonus de dégâts si une aura est activée. Prends le contrôle de l'ennemi ciblé et transforme en allié. Lavage de cerveau, c'est pété ça. Prends le contrôle de l'ennemi ciblé et le transforme en allié. Ça c'est pété par contre. Accord de résistance électrique. Inflige des dégâts d'éther plus étourdissement. Renvoie les attaques laser plus boost les dégâts laser. Inflige des dégâts électriques plus choc. Cible ennemi en face. Astro Librium. Renvoie les attaques laser plus boost les dégâts laser. C'est pas mal aussi. Inflige des dégâts d'éther. Lequel est le mieux? Là ça nous permet de garder nos armes. Alors là par contre après on a ça du coup. On obtient cible un seul ennemi. Plus dégâts de gravité, accord résistance gravité, boost les PV et les PT. Boost les PT, inflige des dégâts d'éther, plus entière résistance, plus éther, diminue les dégâts de l'aura. Inflige virus. Et là on a régénère les PV, plus régénère les PV des appendices en scale. Boost toutes les résistances, plus régénère les PV lors d'utilisation des arts. Inflige des dégâts d'armes, plus boost les PT lors de l'attaque de front, enlève les handicaps. Corde supercharge lors des dégâts, plus contre les dégâts de riposte. Inflige des dégâts de gravité, plus chute. Guérison et purification astrale à tous les alliés. Inflige des dégâts laser, plus boost les dégâts quand on aura été activé. J'ai l'impression que c'est plus fort ça. J'ai l'impression que c'est plus, mais le sommeil a l'air intéressant. On va quand même prendre celui-là. On va changer de classe, il faut juste que je prenne des nouvelles armes du coup. Statue. Non, pas statue. C'est équipement de terrain qu'il me faut, voilà. Désiré, arme psychique. Et oui, mais là du coup j'ai de la merde. Là du coup j'ai de la bonne grosse merde. Enfin, pas d'actu. Ah bah attendez. Comment ça? Comment ça, ma classe actuelle ne me permet pas d'activer ça? Pourtant si, c'est pas ma classe. Rang 1. J'ai besoin de quoi là? J'ai besoin d'armes psychiques et de sabre photon. Donc, comment ça se fait que je puisse pas m'équiper de sabre photon? Chelou. On est d'accord. J'ai pas assez de niveau peut-être. Il manque un niveau. Enfin un point de classe. Peut-être. Par contre, je dois pouvoir quand même
Équipe art. Il va rajouter une. Voilà, je vais mettre mes pots d'acier. J'avais quoi d'autre? Munition puissante, boost les attaques à distance, boost les dégâts de 75% à l'utilisation des arcs. Le cac part à l'arrière. Munition puissante, ça me paraît bien. Voilà. C'est mieux. Il n'y a pas un petit monstre sur lequel je peux. Je peux gagner un petit niveau là. Bah si, voilà. Hop. Ah, mais j'ai plus aucun art du tout en fait là. Ouais, je pensais pas à ce point là. Je pensais que je pouvais gagner un petit. Enfin, garder mes arcs. Mes arcs en cours, mais en fait, non, pas du tout. Ah, il a un sable laser quoi. La classe. Paf paf paf. Eh, il n'y a plus du tout de heal là. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Je peux pas du tout mettre mes autres arts. C'est chaud. Et maintenant, c'est utiliser les autres armes. J'aurais pu si j'avais l'autre arme. Et oui, c'est pour ça qu'il y en a plus. Ah, je comprends. Et je comprends mieux. Du coup. Et je comprends mieux. Hop. Putain, mais il y en a un autre à l'intérieur qui me déchire en fait. Hop. Ouais. Ah, merci de m'avoir soigné. Ça, j'ai pas l'impression que ça fasse. Ça fait pas énormément de dégâts quand même. Hein. J'ai l'impression. Avec laser, ouais. Ah, le métamode, il a le troisième. Il a la troisième zone là. Ah, il faut le voir. Hop. Et ça, c'est cool. Total d'équipe. Par contre, on a un peu plus de PV. J'ai l'impression. Ok. Est-ce que du coup là, je peux mettre mon nouvel équipement ou pas? Non, toujours pas. En rang 1. C'est bizarre pourtant. Pourquoi je peux pas le mettre? Classe. Alors que si je me mets là, j'ai modifié vos armes, équipez vos arts et votre compétence. Compétence, j'ai quoi comme compétence? Non, c'est pas les compétences, ça c'est mes arts. Je veux voir. Et c'est ça, là je garde mes arts, j'en ai eu d'autres. Alors que l'autre je ne pouvais pas. Et merde. Si j'ai bien suivi. Équipement de terrain. Non, pas équipement de terrain, je m'y perds. Classe, je fais ça. Ça va me virer dans mes arts, je peux pas en mettre d'autres. Et oui. Et oui, et oui. Donc du coup, on va se mettre dans la classe du dessus. Parce que j'aime bien les arcs que j'avais. Alors, on va garder la récupération. On va garder ça. On va garder ça. Ça, c'est bien. On va l'améliorer même. Donner sommeil.
Ça c'est cool aussi, ça c'est bien, ça c'est bien, et ça c'est cool. Qu'est-ce que ça m'a enlevé du coup? Ça m'a enlevé ça. Pousse le potentiel, plus attaque à distance, plus résistance à l'éther. Non, ça j'aime bien. Est-ce que je le mettrai pas à la place de récupération? Non. Okay, par contre, on va se faire un petit... Ah, je peux pas échanger, c'est chiant. Ah si, voilà, je peux les échanger avec Y. Si on va laisser ça comme ça. Comme ça, j'ai mes dégâts. Et j'ai mes... Et j'ai mon soin là. Ok. Ça sera mieux ainsi. Très bien. Est-ce que j'ai non, j'ai pas repris mes armes à la... oui. Faut que je remette mes armes. Voilà. C'est lequel le couteau que j'avais? Couteau en quoi? Celui-là? Couteau chromé? Ouais, c'est le couteau chromé que j'avais. Désir survie... Ça a l'air d'être ça. Ah, c'est peut-être ça que je pourrais mettre. Ça m'enlève mes PC, non? J'ai pas besoin de plus là. Ok, on va laisser ça. Par contre, j'en ai pas la possibilité. Bon, attendez, je vais sauvegarder parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Hop. Bah, d'ailleurs, en fait, je réalise. C'est la fin de l'épisode, mais je peux pas monter là. Ça m'énerve, pourquoi je peux pas monter? Bon, je dois pouvoir aller là, cela dit. En me téléportant. Et oui. Ah, bah oui, on s'en rappelle. Bon, là, il y a la foudre anti... Enfin, qui me casse les pieds. Donc, rip nous. Rip nous. Je ne peux pas passer là, techniquement. Il faudrait que je passe là-bas. Ah si, faut que je repasse par là, on va explorer. Est-ce que c'est intéressant d'explorer cet endroit-là? Plus que la zone là-bas? Peut-être aller se faire la zone là-bas plutôt, hein. Ouais. FN309. Bon, nous sommes à 6,97%. Il nous en faut 30. Donc c'est pas tout de suite. Mais bon, tant pis. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain pour... la suite. Ciao, ciao tout le monde.